feels like sandpaper. Bonjour et bienvenue, on est de retour dans la survie du week-end. On a besoin de boire. On va devoir récupérer un peu de bois, faire du feu, faire de l'eau. On a un peu de nourriture de côté, pas beaucoup. On va devoir en faire, en récupérer. Donc nous sommes de retour ici. Donc, col du transfert. Donc on va camper un peu ici, cet épisode, peut-être même les prochains et tout ça. J'étais en train de penser aussi, pour le coup de la radio. Le problème, c'est que elle marche seulement donc quand il y a une aurore boréale. Et j'étais en train de me dire, le problème, c'est que les aurores boréales sont quand même très très aléatoires. Et comment on va faire, en fait, pour rendre ça potable, niveau épisode ? Alors, attendez. Non, c'est là qu'il faut regarder ? Non, c'est où ? C'est où qu'il faut regarder pour la zone d'effet ? Je me rappelle plus. Transmetteur, c'est ça. Ouais. Genre là, on a le transmetteur de l'aéroport qui fait toute la zone. Donc, en théorie, on peut trouver quelque chose ici, par exemple. On peut trouver quelque chose ici. Donc, il faudrait rester pas mal de temps. Pas mal de temps. Il faudra avoir de la chance et avoir une aurore boréale, en fait. Ouais, ça peut être compliqué. On voit pas grand-chose. Mais je pense pas qu'on a vraiment envie de sortir, honnêtement. Mais ouais, j'ai pensé à ça. Je me suis dit que hein, ça va être embêtant. Parce qu'on peut y aller doucement. Dans le sens où on peut faire zone par zone, etc. Ou alors on se concentre sur ça. Je vais être honnête, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur ça. Comme j'ai dit, cette zone, je l'aime bien. Donc je voudrais un peu qu'on se balade ici. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester 3000 ans non plus. Je pense qu'on va se concentrer sur réparer les transmetteurs en fait, de chaque zone. De chaque zone qui est demandée. Et après on fera le reste, je pense. Je pense que ça sera mieux. Il fait combien un peu de degrés? Ouais, moins 23, c'est chaud. Moins 23, quand on n'est pas exposé au vent. On a zéro son du vent. Attends, si je me mets là peut-être. Ouais, là on a un peu. Et encore, on n'a pas grand-chose. Moins 45. Moins 45. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à ramasser. Mais... C'est marrant parce qu'on n'est même pas poussé par le vent. Des fois, c'est un peu bizarre ce qui se passe dans le jeu, honnêtement. Je vais être franc, c'est un peu étrange. Mais ouais, on va rester là. On a un truc en dessous? Non, c'est juste un effet visuel. Non. On va attendre un peu que ça aille mieux. Donc ouais, j'étais en train de penser à ça, comment on va faire. Je pense qu'on va, comme j'ai dit, on va se concentrer sur ça. Et petit à petit, on va faire les transmetteurs qui sont nécessaires. Alors, je crois que le plus proche, c'est Muskegmorn. Mais est-ce qu'on en... Oui, on en a besoin. Celui-là de Muskegmorn. La Vallée Charmante, on y allait. La Vallée Charmante, je sais où il est en plus. Je sais où il est, attendez. La Vallée Charmante... Ah oui, mais attends. Oui, si, je peux. Vallée Charmante. Vallée Charmante, c'est celui-là. Du coup, ça doit être ça, j'imagine. Ça doit être ça. Donc c'est très simple, ça on sait. Après Milton, je crois que je sais où c'est. C'est au-dessus de la maison. C'est au-dessus... C'est là, peut-être. Réserve de souvenir, ça c'est... Okay. Je crois que c'est ici. C'est quand on est... Ouais, la maison, je crois qu'elle est là, la grande maison. C'est bizarre que j'ai pas dessiné à la maison, en fait. J'ai dessiné le village. Enfin, le village. Une partie du village pour aller comme ça. Je crois que la grande maison ou au camp, elle est ici. Et après, on peut monter dans les hauteurs. Et là, il y a une radio. Ah, en fait, c'est super simple. C'est super simple.
Je vois où sont les endroits et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y aura pas de problème pour ça, ça c'est cool. Donc ouais, on va se concentrer sur soi, sur ça. C'est juste que dans cet épisode, je veux encore un peu me balader, me prendre tranquille. Parce que de toute façon, Muskegmorn, on va y aller. Après, comme j'ai dit, on va encore passer une autre zone avant Muskegmorn. Est-ce que on se balade ou pas? Je sais pas trop. Ah, je suis tiraillé entre me balader et faire la mission. C'est un peu la chose que j'ai jamais vraiment eu à faire en mode survie, donc c'est un peu étrange. Dans un sens, je voudrais bien savoir ce que c'est la récompense, parce que je ne sais pas ce que c'est la récompense. Je sais ce que c'est la récompense quand on n'est pas en intrus. Ça, oui. Mais je ne sais pas ce que c'est la récompense quand on est en intrus. Et je veux pas le savoir, merci. Merci de ne pas me le mettre. Je veux vraiment pas le savoir. Donc je... Ouais, on peut peut-être... Ah, il fait noir. Peut-être que... On va juste se concentrer sur ce qu'on doit faire. Ouais, on va faire ça, je crois. Sauf cet épisode. Voilà. Comme j'ai dit, cet épisode, on va un peu se balader ici. J'aime bien cet endroit. Bon. Le temps, de toute façon, vu le temps, on va pas pouvoir partir. Mais le temps a décidé d'être pas super sympa. On voit un peu mieux. Je vais voir si on peut pas récupérer un peu de bois ou de conneries qui traînent. On va essayer de pas aller trop loin. Est-ce qu'il y a des massettes? Il y a des massettes. Ok. On va rentrer. On n'est pas poussé par le vent et on n'entend strictement rien. C'est magnifique. J'ai l'impression d'être sourd. J'aime pas du tout quand ça fait ça. Je sais pas exactement qui trigger ça, mais j'ai envie de dire que c'est aussi un bug, en fait. Je pense que c'est un bug. Et ça, c'est un truc qui est depuis des années. Hein. Ah, toujours une tempête. On va mettre ça là. Ça ici. C'est très très gênant de rien entendre. Extrêmement gênant. On a l'impression que tout va bien, mais en fait non. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Ah, ça y est, on entend le vent. What? Huh, c'est bizarre. Où je l'ai vraiment? Je l'ai vraiment jamais vu quand on avait fouillé ces véhicules. Genre, j'avais pas vu qu'il y avait de la nourriture. C'est très bizarre. Ok, ça s'est calmé. On va dormir une heure, histoire de se réchauffer très bien, et normalement, peut-être que le temps va se calmer. Après une tempête, il fait toujours plus ou moins bon. Donc, on devrait être bon. Yes, regardez. Voilà, très bien. Ok. Je vais voir un peu la carte qu'on a, nous. Ouais. Donc, il faudrait dessiner là-bas, en fait. Ok, on va se balader un peu. Faut qu'on chasse un peu. Faut qu'on chasse, faut qu'on fasse de l'eau, donc ça veut dire qu'il nous faut du bois. J'ai pas pris le sac de couchage exprès parce qu'on n'est pas loin de... On n'est pas loin de notre camp. On a des massettes. Alors c'est quoi ça là? Mais ouais, je sais pas, je trouve... Il y a des endroits comme ça un peu petits, un peu tranquilles et tout, que j'aime bien regarder. Et j'aime bien fouiller, en fait. Site du conducteur. D'accord, ok.
C'est bizarre, il y a comme un mur invisible. Comme un mur invisible. Ah, on a un beau temps, faudrait... faudrait récupérer du bois, en fait. Si on veut faire du feu. On a pas mal de massettes. Je sprint un peu parce qu'on s'est beaucoup reposé, donc je me permets de sprinter souvent. Je voudrais bien trouver quelque chose à chasser par contre. Je crois qu'on avait des loups, non? Quelque part. Je vois rien. J'entends pas de loup qui gueule. Normalement, il crie toujours à la nuit. Ça, c'est l'expression, quoi. Je vois rien qui bouge. Ah, putain, je suis bloqué. Ok, on va se réchauffer. On va se réchauffer, on va aller dans l'autre sens. Parce que l'autre sens, je sais que il y a des lapins. Donc à la limite, on peut déjà récupérer des lapins. Ok, je vais juste mettre tout ça ici. Comment on peut se réchauffer vite sans... Oh, on va se faire un peu violence. Hein. On va se faire un peu violence. On va... on va avoir froid, c'est pas grave. Ça, on l'avait fouillé. On avait fouillé tout ce bordel, là. Je me demande si ça vaut le coup de revérifier, en fait. Je suis en train de me demander. Est-ce qu'on devrait ou pas? Au cas où, s'il y a des nouveaux objets. Je dirais... Peut-être que oui. Alors, je crois bien qu'il y avait des lapins ici. Non? Non, peut-être pas. Là... Non, c'est peut-être pas là. Là, 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 ça y est, c'est. Ok. Donc, par contre, on gèle un peu. C'est quoi ce bruit? Attendez, on va rentrer et ressortir l'arc pour qu'elle utilise la flèche qui est abîmée. Merde, quel con, putain. Attends, j'ai tiré d'où? J'ai perdu la flèche. Ah, je devrais faire plus attention.
Allez, passer par-dessus. Ah mince. Bon, après, c'est juste hein, des flèches de feu. Mais bon. Pas de feu, vous avez compris. Flèches durcies par le feu, donc c'est pas trop grave. Ah, bête. J'aurais dû faire... J'étais trop concentré en fait sur le lapin, j'ai même pas vu où la flèche elle s'est envolée. Ah, c'est pas très grave. Ce n'est point grave, c'est pas grave. Je remonte et on va continuer sur ce chemin. Vérifier parce que vu qu'il y a maintenant vu que j'ai trouvé à manger dans la voiture, je me dis que peut-être peut-être on a autre chose. Donc on avait vu qu'on pouvait passer par là. Je crois qu'on avait ouvert une porte, non, déverrouillée ou un truc comme ça. Oh, oh oui, on n'en peut pas. Okay. On a vu que là il y avait strictement rien en fait. Je crois qu'on n'avait pas eu grand chose, pas eu beaucoup de... Rien de très spécial. Ouais, non. Ah, on descend. Un peu dangereux ça. Il nous reste combien de flèches de 6? Ok, faudra en faire, ça marche. Très bien, faudra en faire. On va d'abord retirer la viande avec le couteau, comme ça on va vite. C'est le plus important. Ok, il n'y a pas grand chose à manger. Hein. Donc il nous faut plus de calories. Je vais voir un peu. Ouais, on va commencer à avoir faim bientôt. Je ne suis pas encore complètement chaud. Ok, très bien. Ouais, on commence à avoir un peu faim. Je voudrais encore me balader un peu parce que ouais il fait très bon. Donc je voudrais encore me balader un peu. Voilà, plutôt vers là-bas. Si on peut pas trouver un loup qui prenne. Très bien. Alors si vous voyez des gros arbres pour les glands, vous criez évidemment. Il est quoi? Il est midi, on va commencer à être fatigué, donc faudra peut-être pas trop sprinter non plus. Si on voit des massettes, on les prend. Comme ça on les mange, ça va être un peu notre notre appoint en fait pour les calories entre le lapin et ça. Ouais, là il y a plein de... Je crois qu'on en avait déjà pris un des glands sur le chemin, mais pas là-bas. On n'avait pas bifurqué là-bas en fait. Donc ça c'est une bonne chose. S'il fait pas si froid que ça. Ok, je vois rien qui bouge. Yes, let's go. Nickel. Oh, parfait. Je voudrais bien dessiner un peu aussi.
Je vais être honnête, je voudrais bien dessiner un peu la carte. Parce qu'elle n'a pas l'air très très grande. Ça casse facilement. J'ai cru entendre un truc là-bas. Pas certain. J'aime pas quand ils viennent de ce côté-là, là où je... On va prendre sur nous. Je voulais pas prendre vraiment les lapins sur nous, mais j'ai peur qu'ils se fassent bouffer s'il y a un loup qui traîne. Après, je vais être honnête, je suis pas certain que les loups mangent les choses qui traînent comme ça, sinon ça fait... Mais bon. Vu qu'à un moment, on a... Notre viande avait disparu, maintenant je suis en train de me demander, en fait. Oh, on pourrait dormir ici, on pourrait faire un camp ici. Ce serait intéressant. Oh. Cool. Ah merde, j'ai pas vu le nom. Bah, attendez. À la limite, ce serait mieux de faire un camp ici, parce qu'on fait notre... notre feu là. Ah, intéressant. Ouais, je... Qu'est-ce qu'on fait? On déménage? Je sais pas trop. Je vais être franc, je crois que c'est mieux. Hein. Parce qu'on peut faire un feu qui va être boosté par le froid. Mais qui est protégé du vent. Puis je crois qu'il y a plus de choses dans ce... ici en fait. Je sais pas, j'hésite là. Puis dans un sens c'est plus proche de la sortie en fait. Je pense qu'on va se mettre dans la grotte. Et c'est un peu étrange en fait. C'est un peu étrange parce qu'on n'a pas trop de choix à chaque fois, je trouve, dans ces nouvelles zones. J'ai l'impression qu'ils ont un peu perdu l'optique de pouvoir faire du feu et tout dans tous les endroits. Enfin, que ça soit plus pratique. Que là, à la limite, on peut faire du feu parce qu'on a une cheminée à l'intérieur, je sais. Mais c'est considéré en intérieur. Donc du coup, on peut pas avoir le bonus de chaleur. Alors là, je pourrais par contre faire un feu à l'extrémité en fait. Vous savez que quand on rentre dans une grotte, on a l'intérieur qui est chaud. Et après, on a une partie en fait qui est considérée comme extérieure. Mais qui est complètement bloquée, protégée du vent. Donc en théorie, si je fais un feu dans cette zone-là... Il devrait être boosté par le froid. Sans être soufflé. Sans être soufflé par le vent. Donc. Donc, Cassos. On va tout prendre.
prendre. Hein. Ça fait beaucoup, mais... Après, est-ce que c'est moins safe, plus safe d'être là? On va dire que là, c'est une zone plus générale. Alors après, oui, il y a le truc, comment on fait du feu avec la lumière si jamais on voit pas la lumière, je suis d'accord. Tout simple, on le fait à l'extérieur, on ramène une torche et on le fait à l'intérieur. Quoique, je me demande même, je vais être franc, je me demande même si on le fait donc à la bordure du froid, là, de la grotte, je sais même pas si... Enfin, je serais pas étonné en tout cas que ça nous dise qu'on le fait à l'extérieur et qu'on peut utiliser du coup la lumière. On va tester ça direct parce qu'il faut qu'on cuise le lapin. Et puis on a une zone de lapin juste devant du coup. Donc c'est pas mal. La zone est sympathique. Faut qu'on aille voir en face. Puis c'est un peu plus proche aussi du retour. Et dans la grotte, on risque rien dans la grotte. Puis si jamais on veut dormir, je crois là où il fait froid et qu'on fait un feu. Alors là où il fait froid, c'est dangereux, hein, bien sûr, parce qu'on peut geler. Mais si on fait un feu qui dure longtemps, à la limite, on peut dormir entre parenthèses extérieur, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est bien pour le mal de l'enfermement. Vraiment fatigué là par contre. Attendez que je fasse pas de conneries. Je vois pas pourquoi je fais ça. Fait froid, c'est ici. Donc ici, on est considéré en extérieur. Fais voir si j'ai raison ou pas. Ça marche. Donc on va en profiter. J'avais dit, hein. On est considéré en extérieur, là. Le feu. Où le feu est. Vous voyez, il y a une sorte de barrière invisible, en fait. Donc on peut jouer avec ça, c'est très bien. Ah là là, super. Plein de petites choses comme ça, on connaît après au bout d'un moment. Après avoir joué. Donc on peut... On utilise notre connaissance, en fait, c'est cool. Oh yeah. That's a good one. Bien.
Nickel. Nickel. Oh 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 oh. Je viens de voir ça. J'étais tellement concentré par ce que j'étais en train de faire que j'ai pas vu qu'on était au bord de perdre le bonus. Très bien, on va faire de l'eau. Le temps que j'aille récupérer ce qu'il y a dehors. On fait voir. Est-ce qu'on peut baisser notre poids encore? C'est très bien. Ça va, les carcasses sont toujours là. Je suis en train de me demander si vraiment on a vu un loup en fait en venant et tout. Dans mon souvenir, oui, mais peut-être qu'il était très loin. Genre plus là-bas encore. Là, je sais pas vraiment en fait. Ouais, je vais être honnête, je sais pas vraiment. Bon, par contre, j'ai un peu trop forcé sur le sprint. Hein. Donc, on va pouvoir encore dormir très longtemps. Ouais, on va pouvoir dormir très très longtemps. Il y a des tours là. J'avais pas vu. Dans 6 minutes. Bien. 12 minutes, 23 minutes. Faut que je mette ceux qui ont plus de viande dans un coin. Je fais toujours attention à l'ouverture au cas où si... Il y a un loup qui nous flaire pendant qu'on est en train de dépecer, on sait jamais, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Parfait. Magnifique. Très bien. On va faire un joli camp ici, honnêtement. On va faire un joli camp. On va déposer 2 litres. 2 litres, c'est nettement trop. Alors, on a... ça, on a là, on va mettre tac tac, très bien. Et ici, on va mettre boyau séché, lapin séché, lapin frais, séchage terminé. Oui, on est encore là, on est en intérieur, là, on est en extérieur, je crois.
Normalement, ça devrait baisser parce qu'on est en... Ouais, c'est bon. On est bon. Très bien. Parfait. Alors, 24 minutes, 10 minutes. Par contre, là, la viande est considérée en intérieur. Il faudrait la mettre plus vers... plus là, en fait, pour la... Pour qu'elle reste plus longtemps. Mais honnêtement, c'est pas vraiment important. Nous on n'est plus à ça près. Alors, fais voir un peu les flèches qu'on a. On a combien des flèches? 10. Donc, 10 en tout. Ah, 22 minutes. Un peu limité en feu, hein. Mais bon, c'est juste pour surtout faire la viande vite fait, un peu d'eau, basta. C'est surtout pour passer la nuit. On va continuer un peu notre exploration. Je sais qu'elle est fatiguée, mais on va essayer de pas courir. Puis en fait, on a encore un beau temps là. C'est pas très froid, donc je voudrais pouvoir explorer et potentiellement essayer de trouver un loup. Ça me ferait plaisir. Ou un cerf, hein. Je vais pas dire non. Hein. On a notre couteau sur nous. On risque rien. J'ai pas eu encore de... de personne. Souvent ça arrive en commentaire. Pas eu encore de personne qui me dit « Eh mais t'as un couteau !» C'est pas un couteau crafté, ça. T'es pas en intrus. Hein. J'ai pas eu ça encore. Je suis assez surpris. Très surpris, même, honnêtement. Après, c'est des épisodes assez longs, donc... les gens... Enfin, c'est rare que je sors le couteau, quoi. Je pense que ceux qui regardent, du coup, connaissent, en fait, savent pourquoi. Mais ouais... Parce que j'ai eu des commentaires assez drôles. Où, genre par exemple pour ceux qui connaissent Fallout 4. Quand il était sorti, il y avait un mode... le mode de difficulté le plus élevé, je crois qu'il s'appelait le mode survie. Même à l'époque quand il est sorti. Et plus tard, il a été changé en fait. Le mode survie, c'est devenu un autre mode. Où on devait manger, boire, je crois. J'ai un peu un doute, je sais plus trop comment ça fonctionnait. Mais je crois qu'on devait manger et boire. Et ça, ça n'existait pas, en fait, à la base. Mais ça s'appelait le mode survie. Donc, du coup, mes vidéos étaient intitulées comme ça. Avec ce mode-là. Et ça a changé après, comme j'ai dit. Et des gens ont vu les vidéos du début. On dit, eh mais c'est pas le mode survie, hein. C'est pas comme ça, hein. Tu manges pas, tu bois pas, tu mens, hein. Tu mens. Directement, au lieu de demander, d'expliquer, non, non, direct on passe aux attaques, comme quoi je mens, mon titre est un mensonge. Ah, on va aller là-bas, là. Toute ma vie n'est qu'un mensonge, blablabla. Bla, bla. Donc, plusieurs fois, j'ai dû répondre à tout ça. Et les gens ne répondent jamais, hein, ne lisent jamais les réponses, de toute façon. Donc, plusieurs fois, j'ai dû expliquer. Je crois que j'ai même laissé, sur la toute première vidéo de Fallout 4, j'ai épinglé un message de moi en disant que... en plus, j'avais regardé les dates exprès. Genre, c'était 6 mois après, ça avait changé ou un truc comme ça. Enfin, bref.
J'avais noté les dates exprès où le changement a eu lieu avec le mode survie et tout ça. Et j'ai épinglé tout ça en disant, au lieu d'attaquer les gens sans savoir, renseignez-vous avant. C'est assez drôle. Oh. Neige, 35 minutes. Pas ça, c'est drôle, non. Je vais être en non, parce que... Perdre du temps pour répondre à des gens comme ça, ça me fait chier, ça me casse les couilles. Je vais être franc hein, pour parler honnêtement, ça me fait chier, ça me casse les couilles. Mais voilà, ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Il y avait d'autres choses comme ça où les gens savaient pas et... Genre c'est dans la description, genre c'est la première ligne de description et les gens sont là. Eh, t'as pas un lien pour machin. Genre quand tu cliques sur la vidéo YouTube, genre tu vois les quelques premières lignes de la description et après il faut dérouler en fait toute la page de description si on veut tout voir, vous savez. Et bah c'est les premières lignes donc tu les vois automatiquement. C'est genre les gens, genre faut leur mâcher le travail et tout. Ça peut rendre fou hein, en fait, honnêtement. Évidemment, on a du vent qui me souffle en pleine gueule. Je voudrais aller voir là-bas, on dirait un chemin, en fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, maintenant, de nos jours. Oh, attends, j'entends des galops, non? Entendu quelque chose. Par contre, on va dessiner. Quasiment certain d'avoir entendu des galops, mais je sais pas. Ça fait tellement de bruit des fois. On va peut-être perdre l'eau que je suis en train de faire cuire là. Bouillir. Il y avait quoi aussi? Ah oui, il y avait une personne qui m'avait commenté sur, je crois, la toute première vidéo de cette saison là, de The Long Dark, en disant oui, je te trouve très pessimiste, hein. Je crois que c'était par rapport au DLC. Mais je comprenais pas pourquoi, en fait, cette personne commentait sur la première vidéo de la saison 1. De la saison, pardon, 8 de cette saison. Je comprends pas pourquoi elle avait commenté. Du coup, j'avais demandé si elle parlait des vidéos que j'avais faites par rapport au fait qu'on est... Bah, à la base, on n'avait pas le contenu en intro et tout ça. Mais c'était bizarre. Et la personne disait... Ouais, je comprends pas pourquoi tu te plains, hein. Moi, de toute façon, moi, tout ce qui est travaux, bon, bah, moi, je m'en fous, les objets uniques, moi, je m'en fous, la radio, bah, moi, je m'en fous, l'histoire, bah, moi, je m'en fous, moi, j'aime bien la nouvelle zone, d'accord, ok. Donc, en fait, tu t'en fous de 90% du truc qu'ils donnent, donc, pourquoi tu me parles, en fait, limite, j'ai envie de dire, pourquoi tu t'essayes de m'attaquer, comment ça se passe, pourquoi tu fais ça? Genre si tu te fous du contenu, pourquoi tu viens me dire que je suis pessimiste en disant qu'on n'a pas le contenu? Je sais pas, moi je veux le contenu, mais je l'ai pas, voilà, donc je me plains. C'est du contenu payé, je devrais l'avoir, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je comprenais pas pourquoi la personne faisait ça, c'était bizarre. C'était très bizarre pour moi. J'avais pas trop pigé. Et les gens des fois sont bizarres, hein, honnêtement, je comprends pas... Mais... Il y a plein de choses comme ça, des fois, qui arrivent. J'arrive pas à comprendre comment les gens réfléchissent, en fait. C'est un peu comme dire... genre, quand vous voyez des mauvaises reviews sur Steam, genre 90% sont négatives, et ça dit, le jeu tourne très mal, le jeu est pas optimisé, tout ça. Et t'as toujours un con... t'as toujours un con dans le lot qui va dire...
qui va mettre positif et qui va dire moi ça tourne bien, donc je comprends pas pourquoi chez les autres ça tourne pas bien. Voilà. Moi ça me fait rire. C'est énorme de voir ça. Genre il y a sûrement autant de configurations de PC qu'il y a autant de gens sur la planète. Voire peut-être plus, parce que maintenant les gens ont souvent deux PC et tout. Et si t'as genre 90% des gens qui jouent au jeu et qui disent qu'il y a des problèmes, je crois que le jeu a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que la plupart du temps on dit que faut pas suivre les masses et tout ça, faut pas être un mouton et tout, faut réfléchir par soi-même. Mais là c'est prendre ça et complètement... complètement l'extrapoler pour l'utiliser pour n'importe quoi et ça règle strictement à rien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, c'est comme ça. Et ça change pas. Le truc, c'est embêtant, c'est que c'est comme ça depuis des années, ça change pas. Ça évolue pas. Ça fatigue. C'est juste que ça fatigue. Genre, personnellement, j'ai quasiment plus de patience, moi, avec les gens. Je suis arrivé au point où t'as envie de les insulter et de les taper, en fait, direct. Pourtant, je suis pas violent, mais... Ah, une bonne baffe, des fois, hein. Pour remettre les idées en place, c'est pas si mal. Hein. Parce que je voudrais finir ça. Ah, en fait, je voulais faire des flèches, mais j'ai pas assez de bâtons. Bon, du coup, on va... Hop là. Du coup, on va dormir. Ah, une bonne baffe, hein. Des fois ça réveille. Histoire d'arrêter de dire des conneries pendant 5 minutes. Bon, on va dormir. J'ai mis le sac de couchage en intérieur, donc on risque rien, même sans le feu. Donc il n'y a pas de problème. Ben on est nickel. On est nickel, on est full vie, on a bu, fait voir un peu le temps. Il va faire jour, nickel, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on fait? On sort, on va voir un peu ce qu'il y a. On peut peut-être aller un peu plus sur la droite. Je suis en train de me faire dévorer par un moustique encore une fois. Oh, oh! Allez, fais bip bip. Non. Non, bleu peut-être. Je crois pas. Ah, fait chier. Elle est cassée, ça marche plus. Ou genre, il y a une cache toutes les 7000 zones. Non, c'est mort. Pas carré. Ah. Qu'est-ce que tu fais, me cache? Ne range pas la radio. Non. Non, c'est... Ah, c'est bête. Putain, pour une fois, en plus, on a une de la chance, là, de... d'avoir une aurore boréale juste avant la fin de la nuit. Mais bon, bah, du coup, ben, c'est bien, parce que ça m'arrange. Vous savez, je disais que... Je voudrais bien savoir... genre, à chaque zone, est-ce qu'il y a une cache et tout. Il faudrait attendre une aurore boréale, machin et tout. Bah voilà. Bon bah du coup on peut confirmer qu'il y a strictement rien. Il y a plein de d'arbres que j'avais pas fait en fait.
Bon bah... J'avoue, je suis un peu déçu là. Bleu, c'est pour l'histoire, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai pas regardé si quelqu'un m'avait expliqué. C'est stylé bleu. Hein. Après, je vais être honnête, j'aime bien le... les couleurs qu'ils ont mis. C'est pas trop flashy. L'écran est sympathique. Le fait de switcher, c'est sympa aussi. J'aurais bien voulu qu'il y ait... genre une animation aussi, genre... vous voyez le pouce? Genre ça... Prenez le pouce, vous le faites bouger, comme quoi ça appuie sur le bouton. Bon, ça coûte pas cher hein, quand même. Hein. D'animer ça, hein, ça serait bien, hein, mais bon. Apparemment, trop demander. Mais ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, on en a 18 de nouveau. Yes, ça tue. Ça tue par contre. Honnêtement, ça tue. Et je me suis fait piquer. Ça tue 18. Bon, bah du coup, on peut partir. La question, c'est est-ce qu'on peut pas... On part maintenant ou pas? On va voir un peu le poids. I wonder if I can drop any of this gear. 46-41. Voir Théa, ouais ça va. Ça va. L'eau 2. Nickel, let's go. Ah. Évidemment. Est-ce que c'est loin pour rentrer? Je suis en train d'essayer de me refaire dans la tête le chemin pour revenir en arrière. On doit faire les tunnels. Les rails, le pont, la corde. C'est un peu loin. Après, dans les tunnels, il fait chaud, donc ça va. Je crois. I can't feel my hands. Je crois qu'il fait chaud dans les tunnels. Très bien. Alors après, je me rappelle plus exactement du nom, mais la zone avant Muskegmorn, je suis en train de me dire, est-ce qu'on l'a fait tout ça ou pas? Vous savez, j'avais parlé du fait qu'il y a un bâtiment et tout en hauteur et tout ça. Mais comme j'ai dit, là on part en mission, on va être honnête, on va partir en mission où on fait... Ah, il fait froid. Merde. Je pensais pas qu'il allait faire froid. On va... partir en mission pour... sérieux?
partir en mission pour réparer les transmetteurs. Donc on va faire ça. Je regarde si j'ai vraiment tout pris sur moi parce que... Attends, j'ai mon sac de couchage. Je crois qu'on a un bâtiment qui va nous permettre de nous réchauffer, pas loin. J'ai un doute. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est dormir une heure dans le sac de couchage. Parce que c'est que moins 9. Et le sac, il nous permet d'avoir plus 15, je crois. Pour être franc, je crois que c'est ce qu'on va faire. Je crois que c'est ce qu'on va faire. J'ai rien dit. Là, on avait des lapins, je me rappelle. Est-ce qu'il y avait une grotte à côté du wagon? Là, sur la gauche, là, il n'y a pas une grotte? Je crois qu'il y avait un loup aussi. Ou alors on l'a tué quand on est passé, je me rappelle plus. J'entendais pas. Très bien. Ok. Nickel, nickel, nickel. On a notre... Je suis en train de me dire, est-ce qu'on mange les glands ou on mange les massettes? Je pense qu'en théorie, on devrait trouver plus de massettes que de glands. Mais est-ce que c'est vrai ce que je dis? On peut en manger un. On va faire ça. Voilà. I'm not sure I can carry much more. Alors, après, ce qu'on pourrait faire, c'est manger un lapin. Mais je crois que là, on est proche de Muskegmore. Enfin, non, pas Muskegmore, mais la zone avant. Chaque fois, j'oublie le nom. Donc, autant avancer. Par contre, si c'est vraiment tempête, on fait demi-tour. Ah, quoique. Non, mais c'est juste là, en fait, la sortie, je crois, non? Ah, non, 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 on a la corde à prendre.
Faudrait pas que je cours en fait. Faudrait pas que je me fatigue. On va devoir mettre fin à notre épisode. Ouais, on a encore... Ouais, non, non, on a encore du chemin. Non, on va s'arrêter dans pas longtemps. Parce que je suis en train de me rappeler, on a encore du chemin quand même. On a encore la corde à prendre. Après, on a les tunnels. Ouais, non. On a encore un petit temps. Quelque chose là. C'est une grotte ça ou c'est noir? Non, c'est une grotte. Attends. On est où là? Ah oui, non, c'est bon. Perdu. On est en intérieur. On avait une grotte. J'avais complètement zappé le fait qu'on avait une grotte. Intéressant. Bon bah tant mieux. Tant mieux. J'arrête pas de prendre du bois parce que on va sûrement s'arrêter pour faire un feu à un moment ou à un autre. C'est surtout si on récupère un loup, un lapin. Je crois qu'on était allé en bas avec où y a le sac et tout. Ça sert à rien d'y retourner. Je suis pas 100% certain de ma mémoire comme d'habitude, mais je pense pas que je serais passé sans fouiller hein, la première fois. Genre là, c'est là pour descendre. Bon. Bon, je crois qu'on va mettre fin à notre épisode. Du coup... on va mettre fin à notre épisode. Ce que je vais faire, je vais dormir une heure. Je vais dormir une heure, histoire de... me remettre un peu. Et on partira, parce qu'on a une corde à prendre et tout ça. C'est marrant, parce que oui, c'est vrai qu'on n'a pas de nourriture, donc du coup, on est pas très lourd. Ouais. Ouais, et on fera ça la prochaine fois, je pense, que sinon ça va prendre trop de temps, en fait. Donc la prochaine fois, on va peut-être dormir même 2 heures, la prochaine fois, on retournera donc ici, on repartira, et on sera donc dans la région... Bah c'est la voie ferrée détruite, ouais, c'est ça le nom. Voie ferrée détruite, on va peut-être camper à l'abri de maintenance, histoire de se remettre un peu d'aplomb, genre récupérer de la nourriture surtout et tout ça... Et après, on retournera à Muskegmond. Et Muskegmond, par contre, on va rester un peu. Parce qu'il faut absolument qu'on rétablisse, du coup, la tour. Mais la tour, elle est plutôt vers le lac Mystère, en plus. Muskegmond. Muskegmond. Parce que nous... C'est quoi, ça? Souvenir. On n'a pas les rails. Ouais, bon, les rails en plein milieu, quoi, en gros. Nous, on va être là, et nous, on va aller là-bas. Et du coup, là, c'est lac Mystère. Donc, on a la tour qui est pas très loin, en fait, de la zone pour aller au lac Mystère. Donc, du coup, ça sera... En théorie, ça sera facile. En plus, on y est déjà allé. Donc, ouais. On va dormir 2 heures.
Peut-être manger un peu. Peut-être faire ça. Zéro, zéro, 0 kilo. Ah, cool. Ok. Cherchez pas, cherchez pas. C'est magnifique. Allez, on va dormir. À la prochaine, portez-vous bien. Je vais peut-être changer les glands là en poudre après. Je vais voir si ça marche encore. Ça continue de marcher, si ça... J'ai peur en fait que, vous savez, on doive les poser par terre, mais si on pose par terre, on perd des calories. Enfin bref. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Portez-vous bien. Ciao, ciao.